YouTube et bonjour à toutes et à tous, ici Mutsu, bienvenue tout le monde sur Immersive TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, ça va même super bien je dirais. On se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Pixark, dans lequel, eh bien, nous allons partir apprivoiser ça. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Et on va se retrouver tout de suite dans l'épisode pour voir un petit peu ce qui s'est passé, puisque je tourne cette intro alors que l'épisode est déjà terminé. J'ai fait les choses à l'envers aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite, c'est parti, let's go. J'ai récupéré tout ce qu'il fallait normalement. Yeah. Ce froid, ce vent, cette... Ce temps là, c'est l'enfer. Hein. L'enfer sur terre. Je sais pas ce qui se passe, mais. Hubert. Il fait tout le temps mauvais ici. C'est fou cette histoire. Il fait tout le temps mauvais. Bah, je t'en ai mis 100 là, dans ta vis. Ok, parfait. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ouais. Hop. Je vais peut-être attendre juste un peu de régène. Ouais. Hein, voilà, histoire de. On attend un poil que la viande cuise. On n'arrête pas de bouffer. Hein. Ouais, mais normalement ici on devrait moins manger puisqu'on n'a pas froid. Hein. C'est pareil. Oublie pas de... Ok, alors. Donc on a les flèches, on a à manger, j'ai pris la bouffe. Hein. Si jamais t'as faim, tu me demandes. J'ai ce qu'il faut. T'as pris les flèches ? J'ai les flèches, j'ai 100 flèches sur moi. T'en as fait d'autres ? Bah non, c'est bon, je change chacun. Ouais, voilà, c'est ça. Sans flèche, normalement, ça devrait suffire. On peut laisser tourner les feux. Alors, donc, je l'avais repéré. Je l'avais repéré, le Soul Reaper. Il est dans les tunnels qui sont par là. Par là. Je crois que c'est par là. Hein. C'est dans le coin, en tout cas. Ouais, par là, ouais. Ah, il a dû bouger depuis. Ouais, mais dans le coin, ouais, si. Il était là la dernière fois. Effectivement. Ah, est-ce qu'il serait pas là-bas, là ? Oui, il est là-bas. Ok, alors comment on va s'y prendre ? Parce qu'il faut qu'on arrive à... Je pense qu'il faut qu'on creuse un trou. Ouais, qu'on se foute dedans. On se fout dedans, on laisse juste un espace, tu vois. Et après, le problème, c'est quand il va fuir. Il faudrait... Je pense qu'il faut... Alors déjà il faut faire gaffe parce qu'il y a un ours en dessous, c'est dangereux quand même. Quand il va fuir, on va vite casser et puis... Non mais ce qu'on peut faire, c'est que on creuse un trou avec un espace, tu sais, pour l'attirer. Ouais. On l'attire dedans. Derrière. Et derrière après on bloque. Et on fait un piège. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, on va faire un piège. On fait où? On le fait là, là? Allez. Hop, on peut se poser là, pas besoin. Mais c'est une blague? Qu'est-ce que t'as fait? Fais gaffe, y'a des bestioles qui t'attaquent, je sais pas. Je suis descendu de l'aigle et je suis mort. Donc, c'est génial, hein, je suis très heureux. Je vais faire attention en descendant de l'aigle. Là, c'est bon, je meurs pas là. Hein. Oh, je suis mort. Non, je pense. Est-ce que tu serais pas en train de te moquer de moi? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Alors, je vais égaliser en dessous. Hop, on va mettre le casque de mineur. Ouais, je vais égaliser ici. Donc ouais, le plan, tu vois, je pense que ça, ça pourrait être pas mal. De l'attirer. Dans un truc comme ça. Ouais. Et après, on fait un petit chemin sur le côté, tu vois. Ah ouais, je vois, je vois. Pour venir ensuite fermer derrière lui, en fait, tout simplement. Que par exemple, comme ça. Tac. Ah, je vais mettre. Voilà, on va faire des petits trous pour voir. Hop. Je pense que quelque chose comme ça c'est pas mal. Est-ce que il faudrait qu'on mette les aigles peut-être à l'intérieur, non? Ouais.
quand même assez bon. Inquiétant ce qu'on s'apprête à faire. Hein. T'es prêt? Non, je suis pas prêt. T'as des blocs? J'ai des blocs, ouais. Il faut passer pour aller se planquer. Il faut passer par. Il faut passer par là, hein, ici. Bah non. Vas-y. Il faut que je puisse la tirer jusqu'au bout. Je repousserai des blocs. Ah. Oh là là, ça pue cette histoire. Non, parce que moi je pense pas qu'il passe là. Il fait plus de 1 de large. Tu veux le faire en t'accroupissant ou tu veux le faire. En courant, en courant. En courant? Ok. Attention. Aïe. Tap, tap. Bim. Il est coupé. Bon, tu te planques, t'es prêt à boucher derrière? Tu veux chercher tout. Comme tu veux. Comme tu veux. C'est un dingue. Ouais. Il est où, écoute, il est au bout à gauche là. Voilà, qu'est-ce que c'est? Il est dessus. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Qu'est-ce que c'était où? C'était un petit truc là, un truc de glace. Petit goulasse. Alors faut faire gaffe parce qu'il y a l'ours, faut pas toucher l'ours. Pas toucher où? Alors où est-ce qu'il est? Oh la vache. Là il arrive. T'es pas bloqué? Ça va vite ou pas? Oui. Non, ça va, c'est bon. Oh, mais il est gros. Easy. Il vient pas? Non, là il vient pas pour le moment. Oh, presque. Pas forcément envie de gaspiller toutes les flèches. Il arrive, il arrive. Non, non, il vient pas, il vient pas. Non. Non, regarde, il fuit à moitié. Attends. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé l'utiliser notre petite prison là, c'était trop mignon. L'idée était trop bonne en plus, quoi. Ah, c'est bon. Ah, là, ça y est, par contre. Oh, mais c'est trop nul, c'est tellement dommage. ok, bon, faut faire gaffe à l'ours, juste. Juste, c'est son nom ou son prénom? Non, son nom, c'est juste. Toi, ton prénom, c'est François, c'est juste. Oui, c'est juste. Écoute, moi je vais prendre zéro risque avec l'ours, hein, parce que clairement l'ours ça fait mal. Hein. Aïe. Donc on va y aller comme ceci. Ah mais je suis presque déçu. Limite j'ai envie de recommencer, tu sais. Attends, on réveille, on recommence. Bah ouais. Hein. Alors attends, parce que là. Elle le tape pas? Mais je l'ai pas tapé, arrête. Vite le taper, je te. Mais non, je l'ai pas tapé. Donc ça se tame à la Dark Magic Stone. Bien sûr. Bah bien sûr, oui. 3100 points de vie. 120 de damage. Ça ne se monte pas, je crois. Ouais. Non. Tu montes pas dessus, mais tu le contrôles en fait, tu sais, en. Avec une télécommande, elle est livrée avec. Elle est livrée avec, tout à fait. Tu le contrôles en fait en lui disant va là-bas, attaque, etc. Tu vois. Avec les sifflements quoi en gros. Il me semble pas que tu puisses monter dessus. Ouais, c'est nul, je la bute. Et c'est fort, hein. Franchement c'est assez fort. Bon c'est dommage, il est que niveau 26. Mais en même temps c'est le seul qu'on a croisé depuis le début. Donc voilà. Bon alors, du coup, pendant qu'on attendait, il se trouve qu'il y en a un deuxième. Donc on va le faire, bon il est niveau 14. Essaye d'aller Oh la vache, mais ça pue cette histoire en fait. T'arriverais à te planquer dans la ouais, ouais, mais tu là... reprends l'agro en fait plutôt, du cours. Mais d'abord au fond parce que j'ai tout enlevé. Merde. Ça fait déjà l'attaque de zone, attends, ok. Alors. J'ai tout enlevé au fond. Ne l'envoie pas sur moi, hein. Je suis pas... comment on avait fait comme ça? Mayday, mayday. Non, je peux pas t'aider là pour le moment. Hein. Mayday. La petite bête me poursuit.
Alors. Ça va être compliqué, hein. Je cours très vite. Vas-y, tire dessus. Ouais, mais c'est compliqué parce que. Oh, je l'ai eu! Vas-y, vas-y, cours au fond. Viens là, saleté! Il est au-dessus, oui. Non, 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 il repart. Il repart, mais il est. Il revient, oh, il revient. Oh putain. C'est bon. Je l'ai en agro. T'as des pierres pour. Ah bah c'est bien, je suis content, du coup, ça aura servi. Aïe! Oh la vache! Bah. Mais il fait des genres d'attaques de zone. Attends, j'ai pas trop. Oh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! Bah. Il fait demi-tour? Oh, t'inquiète, tu peux pas sortir. Hein. Oh, je crois. Oh, tu as fait un pentagone pentacle of the dead. Ah, là, il est en mode fuite là. Ouais, c'est ça, fuis, charogne. Ah, bah, je suis content. Voilà, ça aura servi. Et c'était fonctionnel du coup. Donc, tant mieux. Je t'avoue que bon. Bon, alors, s'il avait pu être 120, ça aurait été encore mieux. Mais. Ah, bon, après, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Ah, ça y est. Non, non, il dort pas là. Ah, si, si. Mais lol, quoi. Fais gaffe, hein. Passe à côté des ours comme ça, toi. Oui, c'est pour les à-coups. Ah, tu veux les éloigner? Mais avec le mur là, ça va être compliqué. Lui il m'a l'air coincé. De toute façon, je passe loin. Bon, c'est bien si on peut en ramener deux du coup. Il tire dessus l'autre. Hein ? Champignon. Le champipi, le champignon me tire dessus. Est-ce que t'as gardé les potions de torpeur toi ou pas? Non. Ah ouais, moi aussi j'ai tout rangé tout à l'heure. Ouais, comme un con, j'ai tout mis en même temps. Ouais, ouais, pareil. J'y ai pas pensé, tu vois. Nous, piensa à la potionnade des torporos. Et je parle espagnol couramment. Elles sont où après, les gènes? Après, c'est pas sûr que ça aurait marché sur ça, vu que c'est un autre magique. Ouais, quand même, y'a pas de raison. D'accord, mais. Que le début, d'accord, d'accord. Bon bah voilà. On se retrouve avec deux maintenant. J'aime bien l'ambiance qu'il y a dans cette grotte quand il n'y a pas de vent. Ah oui, le beer est revenu. En fait, il faudrait creuser là-bas au bout, mais je pense que je peux pas passer. Non, est-ce que ça en est pas encore un là-bas? Au fond, il y a un truc bizarre. Non, je pense pas. Tu. Ah bah ça y est, voilà. Tu vois, je disais, oui, il y a pas la tempête, machin et tout, ça se relève quoi. On peut plus. Il faudrait. Je vais mettre en poste moi sur celui-là. Faudrait surveiller l'autre aussi par rapport à la torpeur. Bon, même si normalement il devrait pas se réveiller, mais. Ah mais y'en a un troisième de bière. Il y a trois. Pernal. Normalement il devrait pas se réveiller. Normalement. Et là, fais voir, est-ce que. Ouais non, l'ours il pourra pas monter, donc ça va. Ah. Ça y est, coup de bas. Oui. Ça y est. Ah oui, mais d'accord, vu que je viens de lui mettre une flèche pour le garder endormi. Ouais, t'as le cooldown. Ouais. Écoute, c'est pas très grave. Normalement, il devrait pas, gros. Ouais, non, c'est bon. Nice. Donc, on peut pas monter dessus, hein. Voilà, ça c'est. Ouais. C'était prévu. Toutefois, ah tiens, est-ce qu'il va me défendre? Boum. Bah voilà. Il a mis un petit 120. Alors on va essayer ça après un petit peu plus en détail. Alors,
Donc les deux sont tame, ça y est, on va tester la puissance des bestioles. Dans une ruine ici avec des squelettes. Parce que je pense que ça peut être un bon indicateur, tu vois. Hop. Je suis coincé, forcément. Bien entendu. Ok, je suis pas mort en descendant de deck cette fois. Ah, toi, t'es comme ça, tu jettes le. Le gars le jette par terre, quoi. Genre, non, vas-y, Pokémon! Ah, oh ouais, Fofo la faucheuse. Faudra que tu y trouves un nom. Gigi la. Gigi. Allez, vas-y! Fofo! Alors le problème c'est que du coup on peut pas monitorer leur point de vie finalement. Donc on sait pas si Ah, c'est pas mal quand même hein. C'est pas mal hein. Le level 100 Ah, si on se les fait tuer maintenant, franchement, je suis vert. Non, ça va. Ouais, ils ont pratiquement pas pris de damage. Il a pris, toi? Un peu, ouais. Un peu. Les essences. Je me demande ce que ça mange. Des cacahuètes. Elle est où, Fofo? Elle est là. Oh là, là, il y en a beaucoup quand même. Allez. Bon, il faut que je me fasse toucher. Le truc, c'est que. Avec leur attaque de zone, par contre. Ça peut vite faire le ménage, tu vois. Par contre, le fait de pas pouvoir suivre un petit peu les dégâts qu'ils peuvent se prendre, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et le sifflement attaquer cette cible a pas l'air de fonctionner. Fais gaffe, ça va approcher Artavis aussi. De là, tu crois? Ouais, je crois. Ouais, c'est possible, tu me diras. Qu'est-ce qu'il fait Oh non, d'accord. Ils arrivent à descendre au moins. Allez. Franchement, c'est quand même pas dégueu, j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça pas dégueu. Hein. C'est pas mal. On les monte un peu en point de vie là. Histoire d'être sûr, tu vois. Y'a pas un coffre caché là derrière? Ah si hein. Attends, on va y aller comme ça. Ah, par contre, je t'ai mis un coup d'épée, ma petite faucheuse, non? Ah, bravo. Hop, c'est quoi ça? Une apprentice Iron Pickaxe 129 127. Bah ben voilà, hop. Bon, ok, écoute. On n'est pas obligé de hein, se le faire en entier. En tout cas, c'est bien, ça va être pratique. C'est clair. Ça va être pratique. Non, c'est bien, c'est bien. Tu le montes un peu point de vie, tu vois, je pense que c'est pas mal, histoire que tu sois sûr de... Allez, mettre à 5000 et après full dégâts, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, en sachant qu'on n'a pas chopé non plus des super haut level, quoi. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas mal. Ah, par contre, il va falloir attendre pour pouvoir les... pour pouvoir les convertir. Bon, bah écoute, pourquoi il me suit aussi, celui-là?
Bon, par contre, ils ont un peu un positionnement assez spécial. T'as plus d'emploi, c'est bien. Positionnement assez spécial. Et ouais, non, ça passe pas moins lourd dans leur inventaire. 5, 6, 9. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah écoutez, j'espère que du coup cet épisode vous aura plu. Le Soul Reaper. Le Soul Reaper. Bonne bestiole, hein. Bonne bestiole. Assez sympa, surtout pour farmer là, les donjons comme ça. Je pense que c'est pas mal parce que ça fait la taille d'un joueur. C'est peut-être un poil plus grand. Donc il y a peut-être certaines zones dans lesquelles elle pourra pas passer. Mais globalement, c'est bien. Globalement, c'est bien. Non, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Koulba? Moi, je suis assez content de cette bestiole. Ouais, ça a l'air bien. J'avais peur au début que ça tapait trop lentement, mais en fait, ça tape vite. Ouais, ça tape vite. Et puis, ça tape de zone aussi. Ouais. Ça fait des dégâts de zone tout autour de lui. Donc, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et comme je te dis, pour les donjons, je pense que c'est bien. Hein. Oui, pour nous défendre, ouais, ça peut être mal. Ouais, au pire, tu sais, tu te le mets dans le sac. Si jamais il y a un gros combat ou quoi, tu le sors et puis pif paf pouf quoi. Si tu te casses, crève à ma place. Vas-y, bats-toi. Bon, et bah écoutez, il va être temps de se laisser. Merci d'avoir suivi cet épisode. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures sur PixArk, bien entendu. C'était Mutsu et Koulba. A bientôt tout le monde. Ciao, soyez sages. Des bisous. Bye.